Hello, moi salue tout le monde et moi remercie tout le monde qui est abonné ensemble avec Chanel là. Hein? Avant de passer dans le 6e gouvernement qui c'est Paul Eugène Magloire, n'a invité ou à l'abonner. Fais ça. Kounye ya la. Fais cette petite cloche là, comme ça. Commentez, partagez le bail toutes amis ou famille ou. Et puis nous dans le 6e gouvernement qui c'est Paul et Eugène Magloire. En suivez-nous ensemble. Octobre 1950, Magloire président. En 1930, il était intégré l'armée. Sous Élie Lescot, il était commandant arrondissement Port-au-Prince. Mais comme estime était déjà lancé une quantité de projet de développement, Magloire décidé chita sous base estimée pour lancer projet Palio. Donc on ça pour réaliser projet Palio, Magloire tablé un plan sur 5 années. Plan porté non plan quinquennal, un plan sur 5 ans. D'après plan ça, Magloire décidé d'investir dans plusieurs domaines. Dans le domaine de travaux publics, il décide de poursuivre le travail estimé de commencer. Et c'est comme ça continuer la construction barrage Pélig. Pas bien estimé de projet pour construire un barrage. En face, vous avez toujours grand l'eau pour alimenter la vallée. Magloire continue le projet. Sous plan santé, c'est une maladie qui est paysan, pile problème. La maladie ça a été portée non pire. Pire en son microbe qui a attaqué les paysans, il a attaqué principalement en bas de la pied. Microbe ça a mangé les paysans. À tel point paysan arrivé dans un niveau, il va mettre pied à terre. Pour combattre l'épidémie, les Américains ont été venus avec une mission sanitaire. On a rappelé François Duvalier comme médecin qui travaille dans la mission ça. Il est venu au moment même c'est Duvalier qui est responsable sans Grecier. Mais depuis les Américains ou la maladie n'a jamais éliminé. À peine Magloire prend pouvoir, il décide d'éliminer. À partir de 1951, il lance une campagne de vaccination. Et finalement, pendant deux années, en 1953, la maladie a éliminé. Dans la même année 1953, pour commémorer la bataille vétière, Magloire construit un monument. Parce que 1953 fait bataille vétière 150 l'année. Nous ne pouvons jamais oublier la bataille ça. Nous ne pouvons pas oublier parce que c'est la dernière bataille nous menons pour mettre Français au dehors et puis casser la chaîne d'esclavage. Magloire construit un monument ça dans vétière. C'est pour immortaliser l'événement. Ensuite, il construit une route qui relie au cap Port-au-Prince. Magloire fait bétonner Port-au-Prince. Il construit Chantemasse. Sous plan agricole, là on est toujours sur le même lancé estimé. Pas bien estimé qu'un projet pour construire un barrage. Barrage Pélig. Objectif barrage, ça c'est pour stocker de l'eau. En façon pour te toujours gagner de l'eau. Pour alimenter la vallée. Pour user jardin. Magloire lui-même, il a embrassé le projet. Il continue la construction. Dans l'idée pour pousser le sport à plus loin, Magloire construit le stade Silvio Cato. Alors Silvio Cato, c'était un athlète haïtien. Pour immortaliser, il a le stade la Votenol. Mais malheureusement, Magloire n'a pas fini de réaliser le projet. Il n'a pas forcé de quitter le pouvoir. Il s'est arrivé Magloire. Ça arrivé Magloire, c'est même ça que tu es arrivé estimé. Ou son estimé te prend décision pour le mettre là en plus sous mandat. Et même ça arrivé pour les jeunes Magloire. Magloire prend décision pour le mettre en plus sous mandat. Magloire te prend pouvoir en 1950. Pour le remettre le 15 mai 1956, Magloire dit lui-même mandat la bout en 1957. Opposition va d'accord. Comme Magloire fait force pour l'été, même quand l'opposition met le peuple dans la rue, grève, manifestation déclenchée, Daniel Fillon demande le peuple à prendre la rue. Ça veut dire où le roi de lui. Lui déjà été sénateur pour débattre Sid. Mais c'est lui-même tout qui est président de chambre commerce avec l'industrie d'Haïti. Lui déjà annoncé secteur privé, décrété grève, manifestation, pays à bloquer. Pour les jeunes Magloire dit lui-même, il ne font pas. Opposition a dit 15 mai pas prendre Magloire sur le pouvoir. Magloire dit bon, si c'est comme ça, il a mis quand son fait sur lui. Ça veut dire que les garçons sont pour battre avec eux. Effectivement, ils battent avec eux, ils passent 15 mai. Le Magloire passe 15 mai. L'opposition n'est pas battue. On y a tant de Magloire dans l'autre date. L'autre date, là, c'est 6 décembre. Parce que Magloire est prêté seulement 6 décembre 1950. Ils ont dit qu'ils ne prennent pas 7 décembre dans le pays avec Magloire. 6 décembre, il faut aller. Effectivement, le 6 décembre, il n'y a pas de pari. Grève, manifestation, déclenchant encore. Magloire va décider de faire battre. Et c'est comme ça que l'autre pour arrêter tout opposant politique. Daniel Fillon était déjà pour une première prison. Non mais Magloire. Il va venir pour une deuxième prison. Il a gagné dans ma ou. Il va venir même tout. Il a gagné dans ma ou. Lui déjà, c'est président de chambre de commerce qui représente la bourgeoisie. En plus, c'est sénateur, il a une immunité. Quoi que ça, Magloire fait arrêter, il mettait dans la prison. Le secteur privé a traité Magloire traite.
Yo dit Magloa est gras. Parce que pendant l'anniversaire Magloa, lui de joie te fait le cadeau des journal. Yon journal écrit qui porte non le national. Et yon journal parlé qui te porte non Radio Commerce. Mais lui de joie, te bay Magloa cadeau ça yo. C'est ton façon pour t'assurer présidence li. Parce que des joie qu'on elle t'a l'élection, c'était candidat secteur privé. Il fait arrêter lui de joie, mettez le dans prison. C'est comme si c'est lui le Magloa mettait sous tifé. Mouvement vient intensifié. Étudiant, élève l'école, entre dans le mouvement. Magloa dit lui-même la bête quand son fait le souli pour correspondre avec eux. Et c'est comme ça Magloa prend tête au commando armé. Soldats ont tiré à haute moune, en pile moune prend balle. Quoi que ça, opposition dit au pape fait back. Peuple a toujours dans la rue. Le Magloa, ouais, bagala trop pour lui. Ils font notre sortie. Il dit le conseil de crise, il accepte de remettre pouvoir. Mais il dit d'après la constitution, c'est le président pour cassation pour lui remettre pouvoir. Effectivement, le président pour cassation, il s'était Nemo Pierre-Louis, de remettre le pouvoir. Mais il dit Nemo Pierre-Louis pas accepté. Comme Nemo Pierre-Louis pas d'accord, et comme il n'a pas quitté le pays sans président, il a quitté le pouvoir provisoirement en attendant l'élection faite pour venir à un autre président. Ça va, c'est 6 décembre. Il a dit pas d'accord, c'est Magloa pour aller. Grève manifestation recommence encore. Le Magloa a gardé l'ouest, c'est tout bon. Magloa a dégénéré. Et c'est comme ça, 12 décembre, ils font l'autre note sortie. Ils disent qu'ils décident de quitter le pouvoir. Et comme la constitution a mandé, c'est avec le président de la Cour cassation pour lui remettre le pouvoir. Lui remettre le président de la Cour cassation au pouvoir, qui c'est Monsieur Nemo Pierre-Louis. Vous savez, la première fois, il te dit Nemo pas accepté. Qu'on y a Nemo accepté. Mais il dit tout, il ne peut pas aller en exil. L'après tout, il prend poste comme commandant. Principalement commandant Kazen de Saline. N'a pas noté parlementaire, non, mais Magloa, général à vie. Opposition dit pas d'accord. Yo dit c'est quitter pour Magloa, quitter pays. À côté de pression opposition, Magloa te vin tombe dans crise économique. Principalement après cyclone Azel. Cyclone ça a frappé pays en 1954. Cyclone ça a détruit département Sud. Dans Jérémy principalement, 80% plantation agricole détruit. Situation misère ça vient révolter population contre Magloa. Mettez sous ça café avec tes moteurs économiques. Pril baisse sous marché international là. Donc par rapport à difficulté économique plus manifestation populaire. Magloa vient pas kaken be pouvoir. Même coéquipier lui yo mandé pour l'aller. Ali Basket, Henri Pépignan, Philippe Dominique. Monsieur dit Magloa Jean Bagala est là. Donc résilio. Et c'est comme ça 13 décembre 1956, Magloa quitte pays et là en exil États-Unis.